Bonjour à tous, c'est John Jodan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Les amis, on va tester le Dabla ZTUR, personnage spécial d'Halloween. Et vous allez voir, dans cette vidéo, Dabla va être incroyable. Mais oui, il va venir face à Végéto puissance, des millions de téléchargements bien sûr, et il va venir tanker 0 sur les auto-attaques, je vous le dis. Ça veut dire c'est pas possible, mais si. Et vous allez voir. Alors d'ailleurs, bon, ce personnage, il a très très peu de catégories, hein. Il a 3 fois rien, il est injouable à 200%. Et puis, en plus, il faut PQ pour l'aspect joint. Donc autant vous dire que c'est très compliqué. Donc, plutôt que de le jouer dans une team où de toute façon ça aurait été pas très utile, eh bien on s'est dit, tiens, on va jouer une team, eh bien, en double Végéto Blue des millions de Dell, le lead super 150%, bien sûr. Et puis, on va taper Végéto. Eh bah oui, tant qu'à faire. Alors ça donne quoi? Et on va voir ça tout de suite, c'est parti. Bah 40k, attends, j'ai mis un item. Ah bah oui, mais bon, l'auto augmenté est tellement abusé que... Waouh, ouais. Bah, il va hard carry. Ah mais en vrai, tout à l'heure, c'était pas si mal, hein, 150%, il est lead à 150. Les avantages. Ouais, Végéto, ouais. Ça fait mal, ça fait très mal. Et t'inquiète, t'inquiète pas Végéto, on va bien te debuff la gueule au prochain tour, t'inquiète. Vous allez voir Dabla prendre 0 en auto sur Végéto. Alors ça par quoi? Ah, quoi que tant, il y a PQ. Ouais si c'est bon, c'est bon. Pour l'aspect ultime pour elle. Voilà. Là on est bien. Bon, le jeu SCG, il y a moyen de additionnel là, s'il te plaît. C'est le seul niveau où t'es bon, alors fais un effort quoi. Voilà, s'il te plaît. Voilà. Ouais, encore, ouais. Voilà, c'est ça mon garçon. Voilà, voilà, c'est bien, c'est bien. Vas-y, go debuff là. Voilà, il y a au moins un niveau où tu peux être bon, sois bon. Voilà, la triplette. Non. Dommage. L'aspect, ça tape 0. Eh ben, Végéto rentre chez toi. Quel est Colifla? Un debuff supplémentaire. PQ, un debuff supplémentaire. Voire plus. C'est additionnel. Luma pourra recaler un autre debuff après. Dabla, encore un debuff. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Là, vous voyez, là, une fois que le combat il a commencé. Bon, le problème, c'est l'espé, évidemment. Le mec, autant de debuff. Bon, Dabla, s'il se prend une spé, on est mort, quoi. Mais... Allez, PQ. PQ, on veut une double spé, frérot. Tu peux nous faire ça ou pas? Une doublée, une doublette. Y'a qu'à demander. Esquive. Oh là 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 là, mais... Mais arrêtez-le. Oh là là, alors, ok. Je vous avais dit que vous verriez Dabla tanker face à Végéto, c'est maintenant. C'est maintenant, c'est tout de suite. C'est maintenant, c'est tout de suite les gars. Je vous le dis. Préparez-vous. C'est maintenant, c'est tout de suite. Vous allez observer. Ah, il perd pas de temps cet enfoiré par contre. Hein. Bon là, il a pas beaucoup de debuff dans la tronche, mais bon. Il n'a pas le temps d'attaquer, c'est dommage. Bulma va appliquer un autre debuff, Dabla va appliquer un autre debuff encore. Voire peut-être deux si Dabla ou même Bulma pourrait peut-être même triple spé et appliquer un autre.
Non. Dabla, la double. Si t'en mets deux, franchement, c'est trop bien. Ah merde! C'est pas grave. Oui, c'est vrai qu'il y a que l'aspect jaune qui débuff. Mais, je vous avais prévenu, vous verriez Dabla tanker à 0. Parce que c'est 0, il y a forcément un minimum de dégâts. Face à Végéto. Et c'est fait. C'est fait. Bien sûr. Eh oui. Bon, par contre, en vrai, ce qui est triste, c'est que s'il me spawn à la fin, on est mort. Yes. La suprématie du debuff. Mais non, 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 non. La suprématie de Dabla, Dabla, Dabla. Le debuff, oui. Alors, pour rappel, quand même, juste pour le fun, hein, la Végéto, la valeur de l'auto-attaque, hein, pour rappel, hein, juste pour le fun. Je rappelle que l'auto-attaque, les gars, elle est à précisément 1 275 000. Voilà. Et Dabla a pris 0. Évidemment, grâce au debuff. Bien sûr, hein, bien sûr. Mais en fait, c'est ça qui est intéressant avec ce combat-là. C'est que, vous voyez, on peut faire des trucs marrants. On peut venir faire tanker des unités qui sont pas bonnes. Grâce à ça, quoi. Donc, c'est marrant, quoi. C'est marrant de pouvoir venir tanker. Bon, ce qui est chiant, est-ce qu'on peut pas régénérer? Même un peu. Bon, ça va, ce serait juste bien qu'on ait le temps d'attaquer Végéto, s'il te plaît. Merci, merci, merci. Allez, le jeu SCJ, il faudrait qu'on applique encore 2 debuffs, ça peut être pas mal. 2, c'est bien. Oh là là, mon garçon, mais oui, 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 mais oui. Mais incroyable, mais je vous dis, ce perso sur ce niveau, c'est... En plus, il est de 450, hein, je rappelle. Ah oui. Eh ouais, les gars. Ah oui, hein. Voilà, bah tu peux spé Végéto, tu peux y aller frérot, tu peux y aller. Vas-y, montre-moi un petit peu ce que tu fais avec autant de debuffs dans la gueule. Ah bah plus grand chose hein, évidemment. Allez le duo blue. Je crois qu'il debuff sur les deux une fois transformé peut-être, mais bon. Attends quoi? Ah merde. Ah il debuff pas sur la première, c'est transformé alors peut-être sur les deux. Bon c'est pas grave. Bon, le Joe Blue, bon après Végéto il a se passé tardivement, je sais pas s'il a, il peut en caler une deuxième, il a un cooldown de combien? De 4? Ouais. On aura pas le temps de costume, la Kelly Colifa va bien l'en... Putain mais 8 millions 6? Mais elle est à 150? Bon merci, merci Bulma, mais bon, enfin quand même... Non c'est bizarre. My bad. Bon bah... Écoutez, alors c'est dommage qu'on n'a pas le gosse de PQ du coup, mais Dabla peut pas kill. Dabla peut kill. Observez. Oh, et voilà, jeu de merde. Je veux prendre les violets pour le support, jeu de merde. Flemme de relancer. Dabla peut kill. En vrai, entre les debuffs et tout, ouais, je sais pas si, Oh là 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 là, mais. Oh là 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 là, la suprématie! La suprématie de Dabla est intestable! Double spé, critique, esquive de spé. Alors en vrai, j'avais mis qu'un seul item, hein, parce que là j'ai fait ça pour le troll, mais en vrai, on avait mis qu'un seul item, hein, les gars. On avait mis qu'un seul item. Et oui, hein, parce qu'une fois que la game est lancée, ça roule. Hein. Bon, il y avait Bulma, l'item mémoire, mais une fois que c'est lancé, ça roule. Hein. Une fois que les debuffs sont lancés, c'est bon. Hein. Bref, donc voilà pour le Dabla, mais bon, en vrai, évidemment, de toute façon... forcément, face à ce niveau, si dès lors qu'on commence à debuff, on peut jouer un peu, on peut jouer plein de trucs, mais... Mais bon. Mais après, franchement, quand l'effet est dispo, le perso est très correct, hein, franchement. Et encore, là, il est lead à 150%, mais bon, après, il a très peu de catégories, il a rien, enfin... Mais bon, il a un support quand même super, qui plus 4, 40% de stats. Donc c'est pas mal, en vrai, c'est pas mal, mais bon, il a très très peu de caté. Et puis, il faut qu'on puisse debuff, donc si on peut pas debuff, aucun intérêt.